Au fond, ce qui nous intéresse, c'est la question des origines. C'est une question éternelle auquel les prêtres, les philosophes ont réfléchi. Et nous aussi, scientifiques, nous pouvons y contribuer. Alors, il y a l'origine de la vie, avec la recherche des planètes extrasolaires, et l'origine de l'univers. Et pour cela, nous recherchons à observer l'univers dans son enfance. Et c'est notre principale motivation pour construire ces télescopes toujours plus grands ou ces instruments toujours plus perfectionnés. L'univers est si vaste que la lumière des objets célestes met un temps parfois considérable pour nous parvenir, même si elle se propage à 300 000 km par seconde. Si la lumière du Soleil met 8 minutes à atteindre la Terre, celle de la plus proche des étoiles, Proxima du Centaure, met 4 années. Et la galaxie d'Andromède, notre voisine, est déjà à 2,5 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que lorsque nous observons Andromède, nous la voyons telle qu'elle était il y a plus de 2 millions d'années. En cherchant à observer les galaxies les plus lointaines, celles situées à plus de 13 milliards d'années-lumière, nous pouvons ainsi remonter le temps et nous approcher de la naissance de l'univers. Nous, astronomes, nous sommes des contemplatifs. Tout ce qu'on peut observer, c'est la lumière. En fait, on aimerait bien faire des expériences, comme dans les autres sciences, peser une galaxie, l'empêcher de tourner pour voir ce qui se passe, mais évidemment, nous ne pouvons pas faire cela. Donc, notre seul moyen d'information unique, c'est la lumière. Alors, on peut en faire des images, on peut regarder les formes des objets, on peut regarder leurs couleurs. Mais on peut faire beaucoup plus, car la lumière transmet l'information des atomes qui l'ont émise. À travers les quantums d'énergie ou la mécanique quantique, on est capable de retrouver la signature comme une espèce de code génétique unique des atomes qui ont émis la lumière. Et ça, c'est très puissant, car ça nous permet de déterminer la composition chimique, la physique du gaz, même les mouvements des astres grâce à l'effet Doppler. Donc ce sont des informations tout à fait essentielles. Et ces informations, on les obtient avec des instruments qui permettent d'analyser la lumière, ces instruments qu'on appelle les spectrographes, qui sont des instruments essentiels pour nous. Depuis son invention au 19e siècle, le spectrographe équipe la plupart des observatoires dans le monde. Dans les années 90, un nouveau type d'instrument est inventé en Europe, le spectrographe intégral de champ ou 3D. Il permet, pour la première fois, d'obtenir une vision d'ensemble des astres étudiés. Une première génération basée sur ce nouveau concept est installée sur les grands télescopes. L'ESO, l'Observatoire européen austral, avec ses nombreux télescopes installés au Chili, est le fer de lance de l'astronomie européenne. Plusieurs exemplaires de la première génération de spectrographes 3D sont déjà en place au foyer des VLT, les quatre très grands télescopes de 8,20 m de diamètre de l'Observatoire de Paranal. As technology advances after say 10 years, you can build a much better camera or a much better spectrograph and put it on the telescope and make it more powerful. But it takes 5 to 10 years to do. So early 2000s, planning was going on at ESO. We should have ideas for new, more powerful instruments called the second generation instruments. L'appel d'offres de l'ESO nous a ouvert une opportunité de tout un coup passer à une vitesse supérieure, de proposer quelque chose qui était basé sur tout ce que nous avions appris au cours de toutes ces années, quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui permettrait peut-être d'observer l'univers très lointain d'une façon complètement inégalée. Et donc ça, ça a été le début, la genèse pour nous du projet MUSE. In the past, we did have instruments that in a way operate like MUSE, integral field spectrographs, they make images and spectra at the same time.
they have been around for 20 years, and both, you know, Lyon and also our institute in Potsdam have been very successful in using this type of observations. But what MU is now, for the first time, introduces is to combine this capability with the capability of a survey instrument, meaning really to look at a significant part of the sky, not just at one galaxy, but really at a significant part of the sky and have lots of stuff in there. And everything with this imaging plus spectroscopy capability. That's a very new approach to do astronomy. Pour répondre à cet objectif ambitieux, MUSE doit être composé non pas d'un spectrographe, mais de 24. Lorsque la lumière de la galaxie capturée par le télescope entre dans l'instrument, le premier élément optique qu'elle rencontre est le dérotateur qui compense la rotation de la Terre. L'image, ainsi stabilisée, est agrandie par un jeu de deux miroirs. Le faisceau entre alors dans le premier découpeur de champ. L'image de la galaxie est découpée en 24 tranches correspondant à 24 faisceaux optiques différents. Ils sont ensuite distribués par un jeu de miroirs et lentilles vers l'un des 24 modules. La lumière est à nouveau découpée par un second découpeur de champ, appelé slicer, une pièce maîtresse de MUSE. Ce slicer est constitué de deux séries de 48 miroirs sphériques. Ces deux jeux de miroirs vont découper le faisceau en 48 tranches. La lumière ainsi réfléchie par chaque petit miroir entre dans le spectrographe. Elle est alors dispersée en fonction de la longueur d'onde. Sur le détecteur, on enregistre un spectre correspondant à un petit bout de la galaxie. L'histoire se répète pour les 48 faisceaux optiques. Le détecteur est alors complètement illuminé. Cette opération se passe simultanément pour les 24 spectrographes. L'image de 400 millions de pixels contient alors les informations spectrales pour chaque endroit de la galaxie. Évidemment, un projet de la complexité de MUSE, aucun laboratoire ne peut le faire tout seul. On n'a pas les forces ou les compétences pour le faire. Donc j'ai réuni en Europe un ensemble de laboratoires qui avaient l'expertise pour faire un tel projet. Cinq laboratoires viennent alors rejoindre le Centre de recherche astrophysique de Lyon pour réaliser MUSE aux côtés de l'ESO. En 2004, commence l'élaboration des composants de MUSE. Ils devront être conceptualisés, designés, fabriqués dans les domaines optique, mécanique, électronique et informatique. Ces différentes phases dureront 9 années, durant lesquelles une centaine de chercheurs, techniciens et ingénieurs relèveront de nombreux défis, dont la fabrication du slicer, l'élément optique central de MUSE. Alors, il faut bien imaginer qu'au début, quand on a lancé le projet, on ne savait pas réaliser ce slicer, comme c'est souvent le cas. On avait fait un petit prototype, mais c'est tout. Et donc, au cours du projet, il fallait vraiment démontrer qu'on était capable de le faire. Donc, on a lancé des tas de tests, des tas de réalisations, des technologies différentes, avec du métal, avec de l'optique, avec plein d'industriels en Europe, aux USA et tout. Et chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Chaque fois, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et donc, à un moment donné, on a vraiment cru que le projet allait s'arrêter là, parce que c'est pas de slicer, pas de MUSE. Et puis, un industriel français a trouvé une technologie qui a permis de tout d'un coup de réaliser le slicer. Il faut bien imaginer, parce qu'il n'y en avait pas un, il y en avait 24 à réaliser. Et ça nous a sauvés, en fait. En 2010, l'assemblage de MUSE peut commencer. C'est au Centre de recherche astrophysique de Lyon que des milliers de pièces arrivent de toute l'Europe. 3 années vont être nécessaires pour assembler, calibrer, aligner et tester MUSE. Thank you.
En septembre 2013, après d'ultimes vérifications, Muse est démonté, soigneusement emballé, avant d'être envoyé au Chili. Muse est arrivé en des dizaines et des dizaines de boîtes, plusieurs semi-remorques arrivées à Paranal. Et le premier stress, c'est est-ce que tout est arrivé entier ? Parce qu'il faut savoir que ce sont des pièces complètement uniques. Et si une pièce est cassée, on n'a pas le temps, on ne peut pas les refaire comme ça rapidement. Donc là, il y a déjà un premier stress. Pour Muse, tout s'est très bien passé. Et donc une fois que toutes ces caisses, tous ces morceaux sont en Paranal, déballés, que tout va bien, il faut réassembler, tester, aligné. Et pour Muse, qui est un des plus gros instruments installés sur le VLT, ce n'est le plus gros, cette phase-là a pris beaucoup de temps. Mais la partie stressante en fait, de ce marathon, c'est que les échéances pour être sur le ciel, les nuits qui nous sont allouées pour le commissioning sur le ciel, sont fixées longtemps à l'avance. Donc on ne doit pas se rater. That was a new experience for us because in earlier projects we disassembled the instruments, put them into single pieces and reassembled them again on the telescope, on the platform. But for Muse it turned out is not feasible because Muse was too complicated to do all this assembly and especially these alignments inside of the telescope dome. It was decided that we will lift the instrument as a total in a single lift into the dome. And there is only one way to enter the dome with a big size instrument, and that is the slit for observation. Avant de réaliser cette opération, il faut voir aussi l'état d'esprit dans lequel on était. On savait que c'était l'opération critique. Pour pouvoir la réaliser, on était dépendant de la météo, puisqu'on allait sortir l'instrument, le laisser dehors, avant de pouvoir le réinstaller dans le télescope. Et bien sûr, au moment où on doit installer Muse, vent violent, risque de pluie, donc on ronge un peu notre frein, on attend, et puis le jour vient où on se réunit, on dit, on regarde les prévisions, et on prend la décision de lancer. Chose qui était le plus risqué dans cette opération, c'était bien évidemment les dommages à l'instrument, mais il y avait un autre paramètre en fait qui était l'alignement. Et cette opération avait été faite donc dans le hall d'intégration pendant plus de 2 mois. Si on avait désaligné l'instrument, il ne nous restait plus qu'une chose à faire, c'était le reprendre et le redescendre. And then it was lifted up to the 15 meters elevation above our heads. But to be honest, at that moment, I thought I would be totally excited and fear that the instrument could fall down. Un autre aspect qui était très critique, c'est que le télescope donc a des miroirs. On a un gros problème avec les miroirs si le soleil arrive sur ces miroirs. Et on a commencé donc l'opération de grutage à 5h du matin, 5h30 à peu près. Et lorsqu'on l'a terminé, on n'avait plus qu'une dizaine de minutes avant que le soleil arrive sur le miroir principal et le moment où il fallait absolument refermer l'enclosure. Donc non seulement c'est une opération très délicate du point de vue technique, mais c'était en plus une opération qui était limitée en temps.
La première lumière, c'est la première fois que de la lumière autre que l'ampe de calibration ou la lumière ambiante va parvenir dans l'instrument, la lumière d'un astre, d'une étoile, d'une galaxie. Ce moment-là, j'ai voulu le symboliser en choisissant un objet particulier, un objet caché, secret, qui était l'étoile de Captain. Et j'ai choisi cette étoile parce qu'elle est située à 13 années-lumière. Ça veut dire que quand la lumière est partie de l'étoile, c'était en 2001, au même moment, nous répondions à l'appel d'offres de l'ESO. Pendant 13 ans, la lumière a parcouru à 300 000 km par seconde de vide intersidéral. 13 ans plus tard, elle est arrivée dans le canal numéro 6 de Muse. C'était particulièrement, effectivement, symbolique et fort. Et j'ai même expliqué ça à l'équipe parce qu'ils m'ont demandé « mais pourquoi ?» Et je leur ai dit « voyez, la lumière de l'étoile, elle, elle est allée tout droit. Nous, ça a été un peu plus compliqué. » C'était la première lumière, c'est la première fois qu'on faisait une image avec le ciel. Et puis moi, personnellement, j'avais une très grosse pression parce qu'on avait mis l'instrument sur le télescope et on a passé une semaine à aligner correctement l'instrument par rapport au télescope. Donc quand on a fait la première image, c'était aussi la validation que l'instrument, il était bien en face du télescope. C'était l'aboutissement de 10 ans de travail, et ça fonctionnait, quoi, ça marchait. Et on voyait nos étoiles, elles étaient bien découpées, on les remettait bien dans le bon sens. Enfin, voilà, on avait réussi. Donc maintenant, l'instrument, on pouvait le donner aux scientifiques, et on savait qu'ils allaient s'amuser avec, quoi. Muse est en place. Mais avant la mise en exploitation, l'instrument devra passer une batterie de tests et de mise au point. Cette phase, appelée commissioning, nécessitera plusieurs nuits d'acquisition de données pour que les ingénieurs et les chercheurs du consortium puissent valider l'utilisation optimale de Muse. Sur cet écran, on revoit ici l'image reconstruite de la zone du ciel qui est actuellement observée, où on peut voir les différents objets qu'on a pointés. Et pour chacun des objets, on a la possibilité de voir le spectre qui nous donne les caractéristiques de cet objet et nous donner la nature, si c'est une galaxie ou un quasar ou un autre objet effectivement d'intérêt scientifique. Un des grands enjeux du projet, c'était d'être capable de traiter efficacement l'énorme flux de données qui est fourni par l'instrument. Il faut imaginer que l'instrument est capable de produire 400 millions de données toutes les minutes. Le volume de données peut être considérable. Mais il n'y a pas que le volume, il y a la complexité des données. Il faut bien voir que l'image qui arrive sur le détecteur a été coupée plusieurs fois en petits morceaux par les slicers, les découpeurs de champs, tout ça. Donc elle est extrêmement compliquée. Et il faut, de façon algorithmique, être capable de retracer ce qui s'est passé sur le détecteur par rapport à ce qui était sur le ciel. But Muse fundamentally creates is a lot of pixel data on some detectors, and if you look at that, well, you cannot make much head nor tail of it. So it's a very complicated process. We have an expert in the team who wrote what we call the data reduction software, and that basically puts all these pixel data together to make images, spectra, the combined data cube, and so on. En février 2014, lors des phases de validation, Muse a observé la nébuleuse d'Orion afin de tester sa capacité à analyser une grande région du ciel. En moins de 2 heures, Muse a ainsi réalisé plus de 60 poses sur la nébuleuse, soit 2 millions de spectres multipliant par 100 la quantité de données connues sur cet objet. Après traitement, les données sont arrangées dans un cube composé d'une série de 4000 images, correspondant à des longueurs d'onde différentes. L'analyse de ces données met en évidence la présence de nombreux éléments chimiques ainsi que les conditions physiques du gaz dans la nébuleuse. Comparé à de simples images, le cube de données produit par Muse est si riche d'informations qu'il faudra plusieurs mois à une équipe de chercheurs pour analyser son contenu et en publier les résultats. So the real thing is what we got
with the Orion Nebula was really what we hoped for, even much better. It was so spectacular. Because there's a lot of gas, and that gas is in motion, and there's stars, hot stars, that excite this gas, that bring it to radiate in different parts of the electromagnetic spectrum. So you have all sorts of, you can easily visualize this with very colorful maps. And that's what we've done afterwards. Yeah, and really, the interesting thing is this was a showpiece for the capabilities of MUSE, but it also contains an incredible richness of scientifically valuable data. Tous les 6 mois, les membres du consortium MUSE se retrouvent lors des Busy Weeks. Ce moment d'échange leur permet de faire le point sur l'avancement des programmes d'observation, mais aussi de présenter et débattre des premiers résultats obtenus. Pendant toute une semaine, se côtoient professeurs, post-doctorants et étudiants de toutes nationalités, avec un seul objectif, traduire en fait scientifique toute la lumière analysée et disséquée par MUSE. De nombreux thèmes sont ainsi abordés. In particular, my own interest is on how galaxies, like our own Milky Way galaxy, how galaxies change with time, how they evolve, how they are formed in the early universe, how they then develop over time, what controls how they develop, and so on. And we know that a key part of that is the interaction with gas in the universe, how gas flows from the surrounding universe onto the galaxy, and that's then the fuel out of which stars like the Sun are eventually made. And we know that surrounding galaxies, there is gas. It's the gas left over, if you like, from the Big Bang. We see that in absorption against background objects, but that always just gives us a sort of one-dimensional probe. It's like a needle through, literally a needle through a haystack. With MUSE, we can actually now see where this gas is in a sort of three-dimensional volume. And so what we want to do with MUSE is to understand this process of how gas flows from the surrounding universe onto galaxies. I would say holy grails of my own research field has been to detect this web of gas, which we think must be there in the early universe, out of which galaxies are forming. And MUSE really is the best instrument now to really try and see this. We observe quasars, so-called quasars, and these are some of the brightest sources in the universe. And what a quasar is supermassive black hole. Gas is spiraling in because of the gravity of the supermassive black hole. And because the gravity is so strong, the gas moves really, really fast as it spirals into the black hole. And because it's moving so fast, there's a lot of friction between gas layers that are moving at different speeds. And the gas gets really, really hot. And as it gets hot, it emits a huge amount of radiation. Now, we were using those quasars as tools, not to study them themselves, but as flashlights. Because they're so bright, you can see them all the way across the universe, and you see a flashlight, and if you then check what the gas on its way from the quasar to you, the telescope, the observer, what that gas around the galaxy that's in between you absorbs, then you can learn about the gas around that galaxy that you can't observe in any other way. But to learn how that relates to gas inflow and outflow of the galaxy, you need to know where the galaxy is. And that was the bottleneck. And we couldn't find the galaxies, only the very brightest ones. With MUSE, we can go much fainter, 1 to 2 orders of magnitude fainter. So we can find many more galaxies. In fact, I realized we could find as many galaxies as we could see absorption lines. So we could really start to correlate the gas that we see in absorption with the galaxies detected by MUSE, and in that way, for the first time, learn about the gas inflows and outflows of galaxies that are far away. And these are important because far away in astronomy means further back in time. And with MUSE, we can study this process at a time when the galaxies were most active in the history of the universe.
and they were forming stars very vigorously, and because of that, producing big explosions that blew a lot of gas back into intergalactic space. Les carottages des glaces en Antarctique pour remonter l'histoire du climat, ben nous on fait pareil. Quand on observe très profondément une zone du ciel, on va remonter dans le temps. Hein, donc on va voir des. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les galaxies, hein, ces gros ensembles d'étoiles, de milliards d'étoiles, là, des milliards de galaxies dans l'univers. Donc on a envie de comprendre quand elles se sont formées, comment elles ont évolué. Et donc ces carottages très profonds de l'univers nous permettent voilà, de voir des galaxies à différents âges. Quand elles étaient bébés, adolescentes, adultes, etc., etc. Et ensuite, on essaye de retracer comme ça le fil de leur histoire. Et SAMU, c'est vraiment l'instrument parfait pour faire ça. Donc en ce moment, ben voilà, je m'éclate. En fait, je retrouve une passion que j'avais quand j'étais jeune. J'aurais voulu être archéologue. Et ben là, je fais de l'archéologie de l'univers grâce à MUSE. En 2014, pendant l'équivalent de 4 nuits, MUSE a observé une partie du champ profond de Hubble. Le télescope spatial avait réalisé en 2000 une des poses les plus profondes de l'univers lointain. Il avait permis d'obtenir des images en couleur de centaines de galaxies. Le cube de données produit par MUSE de ce même champ est riche d'informations. Au fur et à mesure que nous avançons dans le cube, nous nous déplaçons en longueur d'onde, depuis le bleu jusqu'à l'infrarouge. On observe une série de points brillants dont la luminosité varie en fonction de la longueur d'onde. Pour la plupart, ce sont des galaxies. On peut déduire de ces variations de luminosité les propriétés physiques de ces galaxies. Par exemple, quel type d'étoiles y sont présentes. Sélectionnons maintenant, dans une région de ce cube de données, deux zones précises. La première est centrée sur une galaxie brillante. La deuxième est vide. À gauche, nous voyons défiler le spectre. Vers 5200 angströms, nous croisons une raie. La galaxie brille alors intensément à ses longueurs d'onde, traduisant la présence de gaz d'oxygène chaud dans la galaxie. Dans le rouge, nous observons soudainement une raie dans la deuxième zone du cube. Là où il n'y avait rien jusqu'ici, apparaît alors une galaxie révélée grâce à la présence d'hydrogène ionisé. En mesurant précisément la position de la raie, il est possible d'en déduire sa distance. Il s'agit d'une galaxie très lointaine, située à presque 13 milliards d'années-lumière et que nous observons donc seulement 1 milliard d'années après le Big Bang. Dans une image, finalement, vous voyez la galaxie. Alors vous voyez précisément sa forme grâce à la qualité d'image du télescope Hubble, mais vous voyez essentiellement quelle quantité de lumière on reçoit à un moment donné dans la galaxie. Avec le spectre, vous avez en plus la répartition de l'énergie de cette lumière, toutes ces longueurs d'onde, toutes ces couleurs. Et ça, en fait, ça nous donne beaucoup plus d'informations. Donc on a des informations sur la vitesse de rotation de ces galaxies, donc les mouvements du gaz, les éléments chimiques, la quantité d'étoiles qu'il y a de différents âges, les étoiles jeunes, les étoiles vieilles qui composent ces galaxies. Et tout ça, c'est des informations qui nous permettent de reconstituer un petit peu comment, à quel stade d'évolution se trouve la galaxie. Grâce à MUSE, on a pu mesurer de l'ordre de 180 distances de galaxies dans le champ. Et en plus, on a pu découvrir une trentaine de nouvelles galaxies très distantes dans ce champ que Hubble n'avait pas vu. On a conscience qu'on a fabriqué un très bel instrument, hein, qui est considéré maintenant, pas uniquement par nous, mais par la communauté et de ceux qui l'ont utilisé, vraiment comme la Rolls-Royce de l'astronomie. Il y a déjà, au bout d'un an d'utilisation, un taux de publication assez remarquable. Comparé à d'autres instruments voilà, qui se mettent en opération, on a déjà beaucoup de publications qui sont sorties, et en particulier de personnes qui n'étaient pas dans le consortium, dans l'équipe MUSE. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est de voir que des gens qui étaient un peu extérieurs arrivent quand même à utiliser cet instrument très facilement et à sortir des résultats, des très beaux résultats aussi très rapidement. Thank you.
2014, j'ai vraiment vécu des moments tout à fait extraordinaires. C'est la concrétisation d'une idée, d'un vague schéma, en fait, en une fantastique machine à remonter le temps. Une aventure technique, scientifique et humaine. J'ai rencontré, à travers ce projet, des gens remarquables, des intelligences, des gens dévoués. Et nous avons ensemble réalisé quelque chose d'extraordinaire qu'aucun d'entre nous n'aurait pu faire tout seul. Mu sera exploité par les eaux et par nous pendant 10, 15, 20 ans peut-être. Donc Muse va, je pense, marquer son temps comme un élément important de découverte scientifique.